Bonjour tout le monde, voilà, je vais faire un petit vidéo aujourd'hui. On est dans une casse, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est la casse de Rozan. C'est parmi les plus grandes casses de l'Aquitaine. On trouve un peu de tout. Voilà, malheureusement j'ai un peu le soleil qui est juste en face de moi. Voilà. Moteur essence Peugeot. Bon, au fait, il y a trois parcelles. Il y a Renault, Peugeot, Opel, Fiat et Volkswagen. Et puis il y a le côté. Là, ici, on retrouve des moteurs complets avec des injecteurs, etc. On trouve au fait de tout. Là, c'est une Mégane 3, un C4. Ici, tout ce qui est Peugeot, Citroën. Mais bon, on est là. Ils vont commencer à écraser les véhicules à partir du lundi. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de mélanger un peu tout. Sinon, voilà, vous trouvez des moteurs par terre. C'est le 1 litre 4 HDI celui-là. Voilà. Là, c'est une BM série 1. L'intérieur et tout, hein, il est complète. Hein. Elle est pas mal celui-là, elle est propre. Et voilà, de l'autre côté, là c'est tout ce qui est C3, Peugeot et tout, C4. Et l'autre côté, on a un peu de Renault, tu vois. Voilà, Renault 1.5 d'ici, Teddy. Voilà, ça c'est un petit Renault Teddy, première génération. Voilà, c'est petite Modus. Un petit 1 litre, un Twingo, je crois 1 litre 2, je pense. Ouais, tout propre. Voilà. Voilà, un peu de tout. Des portes, des sièges. Ça, c'est un petit moteur 1.5 d'ici. Pour les amateurs du 1.5 d'ici, on a encore la pompe. Bon, sur celui-là, il reste pas grand-chose. Là-bas, le GR, mais bon, elle est cassée. Voilà. Petite Mégane 1.5 d'ici, voilà, complète. Les moteurs essence 1 litre 4 16V 1.5 d'ici. Et encore la pompe, la courroie de distribution. Bon, il n'y a plus de vent GR, ni démarreur, ni rien. Mais voilà, la Logona 1 litre 9. Voilà les amateurs de Dacia Logan. Elle est encore complète. Et il est pas mal celui-là. Hein, au niveau des sièges arrière. Je crois que je vais prendre des sièges de celui-là. Ils sont tout récents. Et ils sont pas mal les sièges de celui-là. Attendez, je vais regarder ça de près. Ouais, franchement, ils sont impeccables. Je crois que je vais revenir demain et je vais récupérer les sièges de cette Dacia Logan. Voilà. Voilà. Elle est pas mal. C'est propre. Il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, c'est Dacia Logan 1.5 d'ici. Bon, après, ici. Un peu de Citroën. On a une petite Clio 3 1 litre 5 d'ici. Deuxième génération, ça veut dire moteur démarreur à l'arrière. Franchement, le moteur, il est impeccable. Il est noir en bas, il est tout propre. La pompe injection HP. Il y a la rampe. Elle est là, la rampe. Bon, les injecteurs, c'est normal. Il les récupère avec le turbo et le démarreur là-bas avant de mettre. Il y a un petit support moteur ici. Je pense qu'il sera en très très bon état. C'est pour, au fait, c'est pour vérifier un peu le support moteur. Il faut regarder ici, il faut pas que ça s'effrite. Une fois ça commence à s'effriter ici, on sache que voilà. Et puis là, ça se voit qu'il est tout propre. Ça se voit qu'il est tout propre. Bon, sur celui-là, c'est pas grand-chose, mais il y a encore le tableau de bord ou tableau de bord. Il reste quelques accessoires dans le tableau de bord. Il est pas mal là. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des 206, première 206, la deuxième. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Berlingo. En fait, il y a de tout. Il y a de tout. On peut acheter des portes à des prix vraiment, vraiment très, très raisonnables. Là, on a une Clio 3. Les sièges aussi de celui-là, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Je sais pas s'il y a le moteur. Ouais, il y a le moteur dessus. Ok, ça c'est... Je crois que c'est pas un 5 d'ici, mais... Ouais, c'est ça, c'est le 1.5 d'ici. Mais les 2012, 2013, 2014, 2015, c'est la nouvelle génération du moteur 1.5 d'ici. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, l'intérieur, elle est là. Bon.